Oh non, pas lui, le lourd. Hey, salut l'USB! Ça y est, on est reconfiné pendant un mois! C'est excellent, non? Il y en a un qui est content d'être confiné en France, c'est lui. Et du coup, comme le premier confinement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des vidéos de tennis pour s'occuper et garder la pêche! Il est vraiment fou, mon père. Et comme la dernière fois, on va faire des vidéos avec les profs du club aussi! Il est pas fou, mon père, il est complètement fou. Et après les 12 travaux d'Astérix, on va se faire les 12 coups du tennis. 12. Ah, parce qu'il y a 12 coups dans le tennis, pas plus. Et pour ça, direction de suite au club pour une démonstration, avec un prof. Surprise, qui c'est que ça va être? Ouais, on est impatient de savoir, là. Vraiment. Et salut, me revoilà au club pour vous présenter le revers avec une invitée de marque aujourd'hui. Elle est classée zéro, elle est au club maintenant depuis 2 ans. On arrête la mascarade. Alors bonjour, je me présente. Je m'appelle Justine Bordesoul, je suis prof de tennis au sein du club depuis maintenant 2 ans et je vais vous présenter le revers avec mon compatriote Sébastien Mineo. Justine Bordesoul, oh yeah! Ouais, oh yeah. Alors Seb, quels sont selon toi les 3 points clés pour me faire un bon revers? 3 points clés, alors le premier point clé, Juju, ça va être d'orienter le haut du corps. Donc dès que la balle arrive, on oriente ici le haut du corps. Ok Seb, le deuxième point clé après le haut du corps, c'est quoi? Deuxième point clé, on oriente le haut du corps comme on a dit, on court sur la balle et bien sûr on pose ses appuis, prise de force au niveau du bas du corps. Quel est selon toi Seb maintenant le troisième point clé? Le troisième point clé Juju, ça va être l'action au niveau du bras gauche. Orientation on a dit au niveau du haut du corps, prise de force au niveau du bas, on pousse sur les jambes. En allongeant bien le bras gauche, le bras directeur, c'est celui-là qui dirige la balle et on finit ensuite bien derrière l'épaule droite. Ok Seb, il faut que je te remercie, j'ai compris toutes tes explications que je vais tenter d'appliquer maintenant sur le terrain. Ok, voyons maintenant ce que donne le revers de Juju en live. Observez bien tout d'abord le haut du corps, orientation donc du haut du corps, placement des appuis pour prendre de la force au niveau des jambes, poussée et surtout projection du bras gauche. Et après un petit ralenti, maintenant à vitesse réelle. Pas mal Juju ça. Mieux. Beaucoup mieux. Ok j'arrête. Allez une belle série de revers maintenant. Et on finit maintenant par une situation de jeu. Engagement sur le revers, je croise et on joue le point. Juju, je te prends 3 points. C'est pas? Tu vas perdre. On va voir ça. Gage pour le perdant. Du coup, comme vous avez pu le voir, Seb a perdu. Donc cette partie a même été arbitrée gentiment par Laurent. Donc voilà, donc Seb du coup maintenant va faire tranquillement son gainage. Voilà, merci. N'hésite pas à baisser un peu. Hein, voilà, très bien, parfait. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo, la semaine prochaine sûrement. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous à tous, bye bye. À bientôt. Allez, pour finir, quelques prises de vue ratées pour montrer qu'on n'est pas né acteur, loin de là. Attends. Elle est zéro, elle est au prof. Oh, putain.
Et salut, me revoilà au club pour vous présenter le revers avec une prof. Non, c'est nul ça. Elle est classée zéro, elle fait de la poésie. Elle est au club depuis... L'accueillon Baudelaire. Attends. Elle est classée zéro, elle est au club maintenant depuis 2 ans et elle fait aussi de la poésie depuis pas très longtemps. Je vous demande... Elle est classée zéro. Attends, faut que je sois prêt. Elle est classée zéro, elle est au club depuis maintenant 2 ans. Je vous demande d'accueillir... Non, c'est nul. Elle est classée zéro, elle est au club. Elle est classée zéro, elle est au prof. Attends. Elle est classée zéro, elle est au prof. Attends, on arrête. Tu l'as démarré trop tôt. Ok Seb, maintenant parle-nous du troisième point clé. Le troisième point clé, Juju. Et maintenant Seb, le troisième point clé. Vas-y, fais-nous rêver, troisième point clé. Le troisième point clé. Ouais, merde. Et maintenant Seb, le troisième point clé. Le troisième point clé, Juju, ça va être la fin de geste. Non, c'est pas ça. Ouais, merde. Maintenant le troisième point clé, Seb. Le troisième point clé, Juju, ça va être... Mais ça fait juste 6 fois qu'on fait la prise. Maintenant, Seb, le troisième point clé. Le troisième point clé, Juju, ça va être le mouvement du bras. T'as bugué. T'as dit planqué. Arrête de bouger. Merde, mais oui. Quel est, Seb, maintenant, selon toi, le troisième point clé? Le troisième point clé, Juju. C'est non, mais j'arrive pas. Mais il faut changer. Le troisième point, tu dis. C'est quoi, maintenant? Qu'est-ce que je dis? Et on balance ensuite le bras gauche, car c'est celui-là qui dirige la balle. Ici, c'est celui-là le bras directeur. Attends, décale-toi un peu sur la droite. Un tout petit peu encore. Sur la gauche. Sur la gauche. Encore. À gauche. À droite. À droite. À droite. Voilà, cette séance revers est terminée. Écoute, écoutez. Voilà, cette séance revers est terminée. Mais on vous dit à très bientôt. Merci, un grand merci à toi, Gigi. Merci. Gigi. Oh, putain. Allez, on vous dit à bientôt, lui. Mec sexy d'un coup, là. Ça m'a réveillé de ma sieste. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo, la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien et faites du sport. Vivement dimanche. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous à tous, bye bye. À bientôt.